Moi, Martin, je le connais assez bien, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, c'est le genre de gars que la première fois que tu rencontres, tu fais « Écris, c'est handicapé en tabarnak, lui! » Parce que il y a bien des affaires qui marchent pas, tu sais. Mais après 4 minutes, tu réalises plus pantoute, puis après 2 jours, t'oublies. Si le monde fait un commentaire d'handicapé, tu fais « De qui tu parles? » En disant « Ah, Chris, c'est vrai, il est handicapé. » Puis un moment donné, j'étais avec lui en show, puis j'étais sourde. Puis là, j'étais en train de pisser aux urinoirs, puis il est arrivé à côté de moi aux urinoirs. Puis là, je l'ai regardé pisser avec sa béquille. Puis là, je le regardais, puis j'étais comme « Mais voyons, tabarnak! C'est bien hot! » Puis là, j'arrêtais pas de le complimenter sur comment qu'il pissait. Ça devait être tellement lourd pour lui. Asti que ça devait être insupportable. Mais d'avoir moi qui fait « Bravo, Galis! » Tu sais, c'est weird, mais... Toi, le fait qu'il fasse de la musique, qu'il fasse sa vie avec sa musique, c'est rien, là, qu'il sache pisser avec... Non, mais Chris, ça m'impressionne. Non, mais toutes les autres affaires m'impressionnent aussi. Ouais. Tu sais, Chris, il fait du jet ski, il joue du drum, c'est une crise de machine, il est en feu. Mais il y a une voix de... C'est ouais. Fou, mais ça, ouais. Comment il porte, là? Commentaire, le gars. Non. Mais moi, c'est, fait que j'ai juste eu lui. J'ai jamais eu quelqu'un de connu qui m'a fait une toune. J'ai eu une couple de rappers qui m'ont fait des tounes, mais ils étaient pas connus. C'est-tu Casey Melanopi? Non, j'ai jamais eu Casey Melanopi. J'aurais aimé ça. Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Lui, savais-tu son vrai nom à Casey Lemonopi? C'est RSTU? Non, c'est...